Bonjour et bienvenue dans cette 327e édition de Un jour un comics, l'émission d'OriginalComics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur OriginalComics.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de Batman numéro, vous le voyez, c'est là, c'est écrit là, Batman numéro 23. Batman numéro 23, donc l'arc qui est passé à la vitesse de Flash. The Button est terminé, c'était les épisodes 21 et 22. Énorme succès, on avait poussé les quantités et vous êtes très très nombreux à avoir craqué. Je crois qu'il doit rester un ou deux exemplaires des variantes cover. Et encore, si vous n'avez pas raté The Button, c'était donc Flash 21, Flash 22, Batman 21, Batman 22. Une histoire en quatre parties, Jason Fabok faisait les pages de Batman et Howard Potter faisait les pages de Flash. Et voilà, c'était un petit peu le lien suite au DC Universe Rebirth que vous avez peut-être découvert en français ces jours-ci. En attendant, une petite respiration, puisque l'arrivée de Michael Janin, le retour de Michael Janin pour le prochain arc, on en parlera tout à l'heure, sachez que une nouvelle fois, DC Comics confirme Tom King, bien entendu, au scénario, et fait appel à Mitch Gerhardt, qui avait certainement déjà fait, deux épisodes, pardon. Voilà, il fait les fill-ins, il fait les parenthèses, des petites aérations, mais de qualité, parce que quel dessinateur, les enfants, vraiment un talent fou. C'est un dessinateur que je ne connaissais pas. C'était une histoire, un one-shot, donc vous pouvez le lire sans avoir vu le reste, hein, la couverture est tout aussi belle. Ça s'appelle The Brave and the Mold, et c'est une espèce de team-up, c'est un petit peu un... voilà, oui, je vous montre cette page qui synthétise complètement toute la beauté de cet épisode, puisque Bruce Wayne va rencontrer Swamp Thing, tout simplement. Voilà, c'est un crossover entre les deux personnages, et Alfred est toujours là pour passer un petit coup de balai, puisqu'il est, il est comme ça. Donc c'est une nouvelle fois du comics de haut vol. Je trouve que l'effort, alors Batman c'est quand même la gagneuse, hein, de DC Comics, hein, c'est-à-dire qu'ils en vendent quand même tous les mois des pelletés, hein, c'est plus de 100 000 exemplaires, donc comme ça sort deux fois par mois, bah forcément c'est un succès, et donc forcément ils mettent les moyens, donc il y a les meilleurs dessinateurs, et voilà, on ne se moque pas de nous, c'est plutôt agréable. C'est une histoire avec un début et une fin. Et après, bah, on retournera, si vous voulez, un petit peu à ce que Batman, si vous voulez, la quête principale de Tom King. Après cette petite, je dis, parenthèse aération, je vais voir si j'ai un visuel à vous montrer du prochain arc. Normalement, j'en ai un. Voilà. Ça s'appelle, ça commence au numéro 25 d'ailleurs. Le prochain arc s'appelle The War of Jokes and Riddles. C'est tout simplement le retour de Michael Janin. Je vous montre la couverture. Ça va être magnifique. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va cartonner, je pense. Et c'est une saga en 8 parties. Donc on est reparti pour 8 numéros de Michael Janin. Comme ça laissera le temps à David Finch de faire certainement l'arc suivant. Voilà. Batman 23 est disponible. Vous êtes toujours aussi nombreux à le lire chaque mois, et vous avez raison. Sachez que le tome 1 sort le 9 juin en VF. Ne le ratez pas, donc c'est le premier arc qui sort en VF chez Urban, si vous avez raté tout ça. Le premier arc est dessiné par David Finch avec un épisode prologue, le fameux Batman Rebirth, le one-shot qui a eu lieu avant la série, que vous avez peut-être déjà lu dans l'énorme album qui est paru chez DC, qui est là, DC Universe Rebirth, il est là. Dessiné par Michael Janin. Voilà. Batman 23 est disponible, les amis. Salut.